بونجور وصباح الخير عليكم ومرحبا بكم في فلوج جديد. اليوم ندير شويه الضو هنايا. اليب يا دي سولاي aujourd'hui. Voilà. Donc super belle journée mais il va faire chaud تاع الصح اليوم. Donc انا دائما معايا عندي النشره تاع الاحوال الجويه في الفلوج تاعي. Donc il va faire super chaud. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, les filles, elles ont déjà déjeuné. Et voici le résultat final. La chambre des filles. Donc, voilà. On a fait simple. On a séparé les lits. Donc, les lits sont faits. La table, les deux tables de nuit, il y avait assez d'espace, donc on a mis deux au lieu d'une seule. Donc voilà, elles ont leur petit coffre à bijoux, le réveil, la petite lampe de Nour, ou encore la lampe qu'elles aiment bien avant de se coucher. Donc voilà, j'ai mis des petits rideaux dans la chambre des filles. Vraiment très simple, on a enlevé tout ce qui est coussin, etc. Ça casse la tête, donc elles sont bien comme ça. Et voilà, donc je vous montre un petit côté de la coiffeuse, la Nour qui est en train de se coiffer avec Cyrine. Et de ce côté-là, c'est l'armoire. Donc, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur de l'armoire le rangement que j'ai pu trouver chez Ikea. Donc la commode, j'en étais sûre que si j'allais mettre une commode, elle n'allait pas prendre beaucoup de choses. Parce que, machallah, elles ont énormément de vêtements. Donc j'ai fini par prendre ce rangement chez Ikea. Donc j'ai fini par prendre ce rangement de chez Ikea et ça prend vraiment pas mal de choses. Mais il y a du tri encore à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont à la Cyrine ou à la Nour. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on a. Le problème, c'est que je ne vais pas vous montrer les choses qui sont à la Cyrine. Si vous voulez voir les choses qui sont à la Cyrine, elles se lassent vite. Et voilà, comme il y en a beaucoup de choses, donc j'ai du mal à faire le tri. Donc voilà, sinon ici, tout en haut, c'est tout ce qui est drap. Ici, c'est tout ce qui est chapeau, bonnet, écharpe et tout pour chacune d'entre elles. Par là, c'est tout ce qui est sac, sac à dos. Ici, c'est tout ce qui ça se met sur des cintres. Ou encore, les petites boîtes de chez Ikea aussi pour tout ce qui est sous-vêtements, les bas, les chaussettes et tout. Donc j'ai fait de mon mieux. Sur ce côté-là, j'ai mis toutes leurs tenues de sport. Elles sont cachées ou les affaires dont elles ont besoin pour la natation et tout. Et par là, j'ai mis voilà, un petit sac bourré de cintres au cas où j'ai besoin encore de cintres pour accrocher quoi que ce soit. Donc voilà, pour le moment, c'est tout. On essaiera d'acheter moins de vêtements dans l'avenir. Se contenter d'un minimum. Enfin, je l'espère. Donc voilà, Hadi à la chambre. Voilà. Je ne voulais pas faire des trous ou quoi que ce soit. Donc j'ai juste posé les petits cadres d'où les Talqur'an au-dessus. Donc voilà, c'était quelque chose qu'elles avaient dans leur chambre précédente. Donc je les ai mis ici. Et voilà, il y a la chambre. Première des choses à faire, les filles vont arroser leurs fleurs. On a acheté des petits pots de fleurs pour les filles, chacune son pot. Et elles doivent s'en occuper jusqu'à les voir éclore comme ça. On voit très bien que ça commence déjà ici. Hein. Donc c'est des zinnias. Des zinnias? Oui, c'est des zinnias roses. Roses. Elles sont très jolies. Donc elles s'en occupent, elles vont les arroser parce qu'il fait très très chaud. Et on va les laisser à l'ombre, surtout pas en plein soleil parce que aujourd'hui le soleil tape très fort, ça risque de les cramer. Oui? Celui-là parce qu'il y en a déjà un qui colle. Voilà. Donne madame. Ils te disent de chercher celui-là. Attends, d'abord tu vas coller ça ici. Coller ça ici. Voilà. Moi je le tiens, vas-y. Je le tiens plus. Voilà. Et maintenant tu vas chercher ça.
Et maintenant, tu fais ce que ta sœur, elle t'a demandé non, de faire. Tu vas chercher un comme celui-là. Voilà. Attends, l'autre, tu l'as mal fait. Pose la première. Et pose la deuxième. Et fini. Très bien. صباح الخير اليوم نبدا نهاري بقهيوتي و واحد الخبز او بان كومبلي كو جي او بلوتو لا فارين كومبليت كو جي في دونك قطعت دي ترونش نمشي نتقهوى ونبدا نهاري ان شاء الله. الفلوغ تاع اليوم راح نبدو تحضيرات العيد، عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. الحاجه المليحه اللي هنا في ماريكان سي كو نجمو نحتفلوا بالعيد كيما نحبوا، اللي باغي يضحي يضحي واللي باغي يصلي يصلي واللي كلها حر في اختياراته وفي العقيده تاعه. Tout le monde est libre de pratiquer sa religion donc ما كانش دي ريستريكسيون على اضحيه العيد. دونك مشينا سي بون عند الجهه المختصه وتفاهمنا معاهم وتخلصنا وان شاء الله نهار العيد راح تكون عندنا الاضحيه تاعنا. سي كو دركا لازم نحضروا قبل العيد. واش غادي نديروا اليوم سيرين؟ On va se couper à la maison et puis on va faire des gâteaux pour le Eid et tu vas nous couper les cheveux. Inch'Allah, bébé. Je sais pas, est-ce que je vous coupe les cheveux ou je vous emmène au salon de coiffure, mais on va voir ça ensemble. Let's go! اليوم درنا حلوة الطابع أنا والبنات. الكوزينة راها في حالة دوك نكمل و سي لا ديرنيير فورني دوك نكمل ونقي الكوزينة مليح مليح. دونك فوالا درنا حاجه الطابع. سيرين قالت لك غاطو العيد بلحم في الطابع كاع ماشي عيد كيما نشمش هاد الريحه وما ما نديرش بالطوابع سي كوم سي جي ريان في. دونك درنا حلوه الطابع. غدوه ان شاء الله نكمل الكلاصاج باسكو اليوم ما عنديش الوقت. مالوروزمون ما قديش نديرهم رونديفو او سالون دو كوافير باسكو سي توتي بوكي والعيد سي دون دو جور. دونك سكي في كو دركا راح نقص لهم شعرهم. Je vais le faire là moi-même, وحدي في الدار comme d'habitude. نقص لهم شعرهم et après on va dîner et sortir parce qu'il y a le summer concerts dehors. On va faire un petit tour après le dîner inchallah. Donc comme ça même mon mari sera là, il pourra profiter avec nous. Donc là je viens d'en finir avec les cheveux des filles et c'est je trouve ça super joli. C'est plus court, ça change et elles aiment énormément et puis on a enlevé tous les côtés qui étaient brûlés donc voilà, donc les filles, elles ont des cheveux différents. Nous, on n'a pas beaucoup de volume. Cyrine, si. Voilà. Donc voilà, on a coupé les cheveux. Je vais passer un petit coup d'aspirateur parce que je sens qu'il y a des cheveux quelque part. Ah ouais. Oui. Alors, ensuite, je vais lancer une machine. J'ai ramené mon panier à linge. Et ces paniers à linge de chez Costco, les filles, c'est la vie. C'est sur des roulettes. Voilà, Arwa. Donc là, je vais lancer une machine. La, ma bianderie, il faut changer les lampes parce qu'elle ne fonctionne plus. Donc mon mari, il a fait 4 jours, mais il a mis là. Mais elle m'a ben ouelo. Washington, maintenant, il y a comme des maris qui m'ont mis là. Tu as tout le haïa ou tu gardes. Ou là, il a mis là, il a mis là, il a mis là, il a mis là. Donc voilà, la machine arrive au sèche-linge, les filles, farrou. Wallah, ghir yfarhou. Parce que je faisais une lessive en Belgique. Là, je fais 3 lessives en même temps. Et c'est vraiment top. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de linge. Que ce soit pour laver ou pour sécher. Mais je vous avoue que pour le moment, pour le séchage, je mets fil garage, fil sèche-linge là-bas pour le moment. Parce qu'il fait chaud un petit peu dans le garage. Donc, je vais lancer ça tout de suite. Et si vous avez l'occasion de prendre des paniers à linge de chez Costco, n'hésitez surtout pas. Franchement, ils sont topissimes. J'aime énormément pour le fait qu'ils soient sur des roulettes. Ça m'évite de les porter, surtout que c'est trop lourd et j'attends que ça remplit pour pouvoir laver. Mmh, elles ont l'air bonnes, vos glaces. Let's go home, c'est fini la fête. Quality by yourself and the in yourself.
Aïd Moubarak. أجواء العيد هنا في بورتلاند هنا رانا في بيفرتون بالذات une très forte communauté musulmane ما شاء الله et voilà c'est très très bien organisé la prière تاع العيد ما شاء الله on a un très beau temps et on est fait un terrain de foot en fait c'est très propre très très bien organisé là on vient juste de finir la salette et ما شاء الله ça s'est très très bien passé pour mes filles c'est la première fois à la mosquée Et voilà, c'est 10 000 fois mieux que ce qui se passe en Belgique. Et franchement, on ne regrette pas d'être venu rien que pour ça, le fait d'être libre, de pouvoir pratiquer sa religion. Et voilà, c'est très bien organisé. Il y avait aussi la surveillance de la police dehors. Franchement, c'est très très bien organisé, que ce soit le parking ou la prière, etc. Il y a une deuxième prière à 9h30 pour les retardataires ou ceux qui viennent de très loin, etc. Et franchement, mashallah, c'est très très bien. C'est très très bien passé. Voilà. Encore une fois, Eid Moubarak.